Le sujet principal, c'est la lecture de l'Église dans le contexte urbain. Nous sommes sur la première tranche qui concerne la liaison du parvis de la mairie, organisée par la mairie, avec l'intérieur de l'Église. Et il y a donc ce porche qui est cette liaison et ce passage indispensable. Nous avons donc proposé d'installer une porte avec une verticale très importante, puisque la porte fait plus de 6 mètres de haut, qui est une porte avec 12 vitrages. Cette porte va permettre de donner vie sur le parvis pour comprendre qu'il se passe quelque chose dedans, et va donner vie à l'intérieur en ayant les lumières de la ville qui pénètrent dans l'édifice. Nous avons sur le côté une croix monumentale qui accompagne le dispositif pour signifier le lieu. Donc cette croix va être composée de panneautages d'étain projetés comme des sillons pour avoir une notion d'arbre de vie. Et le tout autour du corps du Christ qui va être fabriqué avec un tronc de mélèze massif et qui va donner tout son volume à l'objet et qui formera un ensemble avec le porche, la porte qui mène vers l'intérieur de la nef et du chœur, et puis la croix sur le côté.